Donc on emmène des chapons et des poulardes. Les chapons, ils sont nés au mois de mars. Donc ce qui fait que ça fait quand même déjà un petit moment qu'on s'en occupe. Donc là, c'est la finition, donc il ne faut rien louper. Et c'est un moment fort. Et puis pour, c'est un joli concours. Et ça coûte quand même cher à produire, donc il ne faut pas se tromper. Il faut pas, voilà, y a plein de choses qu'il faut bien maîtriser. Toujours une petite ficelle pour le serrage des ailes, pour qu'elles soient bien en position. Pour le roulage, ça aide déjà. Voilà, ensuite, donc on les regarde partout. Donc toutes les petites plumes, c'est enlevé. Elle n'a pas assez épilé. Voilà, donc je lui donne une forme. Voilà, donc après, je fais le derrière. Donc nettoyage des pattes. Après, je coupe les petites pattes. C'est pour, au niveau du serrage, enfin, quand elles vont filer, c'est pour qu'elles soient bien mises en place. En fait. Voilà. Après, on lui met un seau. On l'habille, on la décore. Qu'elle soit belle. Je lui resserre les ailes pour que, en attendant qu'elle soit filée. Voilà, elle est toute belle là. Voilà, elle pourrait être filée là. Bon, j'avais beaucoup de mamies qui roulaient avant, c'était féminin. Si on veut que ça continue, il faut transmettre. C'est la seule solution, enfin, pour moi. Voilà. Puis après, des gens, même des gens novices, s'ils ont envie, ils se mettent. Et du coup, il y a même un vrai challenge. Ils sont motivés. C'est ça qui est bien, quoi. Donc là, voilà, il y a une bête qui s'apparente vraiment aux critères qu'il faut pour les concours. Hein. Donc assez grosse, elle fait 4,4 kg. Voilà, elle est bien roulée, avec une forme un peu d'olive. Donc après, demain matin, on verra comment ça va se passer quand on va les déballer, et voir s'il n'y a pas de défaut. Et puis après, ben, il va falloir trouver. Donc là, on en a déjà une. Donc voilà, on en a un deuxième qui est dans la même catégorie, qui se ressemble bien. C'est aussi la forme. Après, il faut espérer que demain. Les couleurs se ressemblent, quoi, qu'il y ait des parrains qui soient un peu plus blancs ou plus jaunes. Voilà, c'est l'homogénéité. Donc après, on voit que celui-là, on ne pourra pas mettre avec celui-ci parce qu'il y a d'autres problèmes, ils n'ont pas fait pareil. Celui-là, il est très très gros, il fait 5 kg. Et puis là, ouais, il y a eu le serrage qui est un peu loupé parce qu'il est. Là, on a des marques qu'on ne devrait pas avoir. Enfin, bon, voilà. Bon, c'est pour ça que ça reste dur, puis ça reste. Après, c'est un savoir-faire, donc on essaye petit à petit de se hisser, mais bon, c'est compliqué, on va dire. Hein.